Je vais vous présenter ce superbe décor que l'on nomme le sapin diamant, qui est une accumulation de 5 diamants posés les uns sur les autres, qui représentent une structure lumineuse de 12 mètres de haut et de 9,25 mètres de diamètre. L'ensemble est constitué de plus de 3 km de guirlandes et de cordons lumineux, ce qui représente approximativement 42 000 points lumineux scintillants et fixes, blanc chaud. Il est composé de différentes assises, au nombre de 15. Le Blanc Illumination a choisi d'installer le sapin diamant au domaine de l'Épau, déjà parce que le cadre est très agréable. Et cela nous a permis de valider en réel certaines solutions techniques que l'on a choisies. Et puis enfin, de tester aussi la réaction du public face à un tel décor. On a souvent un regard professionnel sur le décor et non pas le regard du grand public. Et donc ça nous permet d'avoir ce retour d'information qui est également important. Ce projet était un petit peu hors norme du fait du volume du décor qui représente aujourd'hui 215 m3. Nous avions la volonté de pouvoir le transporter dans un seul camion. Et donc ça a nécessité une équipe de 8 personnes pendant 2 jours pour le chargement, déchargement et installation. Tout ça s'est fait sans réelle difficulté du fait d'avoir un espace très accessible qui nous a été fourni par le domaine de l'Épau. Un sol plat, des conditions météo favorables. Donc du coup l'installation s'est passée très facilement. On a 6 activités au domaine de l'Épau autour du tourisme, de la restauration et de l'incentive. Le Blanc Illumination est venu nous contacter afin de tester leur nouveau prototype. Ils cherchaient un endroit. Moi, je connaissais l'entreprise via des reportages que j'avais vus et je me suis dit allez, oui, tout à fait, on va faire un échange tous les deux pour pouvoir moi donner un petit plus à mes clients, un petit côté féerique pour faire des photos sympathiques. Et puis vous, ça vous donne sûrement un peu de visibilité. Alors notre ressenti suite à l'installation du sapin, toujours l'effet wow quand on l'allume. Un effet très féerique quand on rentre, parce qu'on peut rentrer dans le sapin et s'installer. Évidemment, pour les photos, pour les entreprises, c'est vraiment sympathique. Pour les familles ou les amoureux, c'est l'idéal. Donc c'est que du positif et puis beaucoup d'interrogations. Donc il y a énormément de gens qui passent en promenade. Et donc beaucoup d'interrogations sur cette structure. Oui.